peut-être prendre 2 minutes à m'expliquer, mais ce qui se passe là avec les gilets jaunes, imaginez la chose. On galère, mais on est fier. Et à cause de cette fierté, on se cache en face des gens quand on sort dehors. On est en galère, mais on se demande ce qui se passe en face des gens. On voit des gens, on s'aperçoit qu'ils ont l'air de bien se tenir. Parce qu'ils sont fiers, ils ne montrent pas qu'ils sont en galère. Grâce aux gilets jaunes, on a pu mettre en évidence justement le fait que le gars qui est en face de toi, qui a l'impression qu'il va très très bien, finalement, il est dans la même situation que toi, il galère. Tu vois ? C'est ça, les gilets jaunes. Ouais. C'est une ouverture d'esprit. C'est enfin, on enlève ce masque qu'on utilise à chaque fois qu'on sort dehors pour prouver à tout le monde qu'on va bien alors que ça va pas. Grâce aux gilets jaunes, bah, en fait, les gens se rendent compte que tout autour d'eux, il y a des gens qui sont dans la même galère. La fierté qui fait qu'on se cache derrière justement ce masque de l'apparence, bah, il est tombé à l'eau. Donc du coup, les gens se rendent compte que finalement, c'est pas des cas isolés, c'est pas des gens qui sont... Parce qu'on se cache en vérité quand on galère. Hein. Dès qu'on sort dehors, on dit pas aux gens, ouais, je suis pauvre, je suis ceci, ou je suis en galère, j'ai du mal à finir mes fins de mois. À partir de ce moment-là, les gens se sont rendus compte que finalement, mais putain, je suis pas seul, mon voisin est en galère, mon voisin de gauche il est en galère, celui de droite il est en galère. On a les mêmes problèmes. Voilà, c'est ça les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est le masque qui s'enlève, le masque des apparences qui s'enlève pour la réalité. La réalité de la vie, la réalité de la galère, la réalité d'une majorité de personnes en France. Et ça, il n'y a pas besoin de couleur, il n'y a pas besoin de religion. Hein. On n'a pas besoin de meneurs parce qu'on a tous un point commun, justement par rapport à ce qui se passe. Donc, voilà, c'est ça les gilets jaunes, les amis. Les gilets jaunes, c'est les gens qui galèrent, qui en ont marre de se cacher par fierté et qui justement se retrouvent derrière d'autres gilets jaunes. Alors on a Easter Crowley, les gars, faites gaffe, putain. Non, mais c'est vrai, là. Si tu prends 6 mois, si tu prends il y a 6 mois en arrière, c'était à prédire ce qui se passe, là. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en galère? Vous sortez dehors, vous habillez bien, vous coiffez, vous faites l'air de rien. Hop, vous êtes en galère, vous rentrez chez vous, vous cachez chez vous, vous restez en galère, vous ressortez, vous faites l'air de rien. Là, avec les gilets jaunes, ah, tiens, lui, il galère comme moi. Voilà, c'est quoi les gilets jaunes?